Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey, ça va? Je suppose que je commence à jouer à Power Pet, mais maintenant personne ne veut jouer avec moi. Je vais jouer avec toi, vraiment, même si le jeu est interdit. Eh oui, j'irai doucement aussi, c'est promis. Voici la petite Jessica. Carpocalypse. Alors, on joue aux cartes qu'on a dans les mains, c'est ça? Ouais, ce n'est pas trop difficile à apprendre, tu n'as qu'à regarder faire. Bon, je commence. Ah, c'est ton style de jeu. Le suffit le déclenche en effet lorsqu'il est détruit. Allez là, on travaille fort. Hé, hey, tabarnak! Ok, je suis mort!
Putain! Salut, Jess. Tabarnak. Débutant, tu peux essayer de me battre à nouveau si tu veux. Oui, tu dis je vais me battre. Ben, tabarnak, c'est ce que je dis. Ouais, là, les esticards. Hey, c'est fide, sans gossant. Wow. Débarrasse-toi de ça au plus vite. C'est un gossant ces cartes, tu. Oh tabarnak. Ok, pio. Je suis encore mort. Pas assez de défense dans ce deck-là. Astina qui est mort. Tabarnak! Tu me niaises? Tu m'as arnaqué certain, ma maudite bitch. Ok, il n'y a pas assez de défense là-dedans, faut que j'en rajoute. Ah, j'ai aucune carte de disponible.
J'essaie une autre fois, mais... Je peux pas gagner contre lui. Quoi qu'a fait sa crise de carte? Après que l'un de ses sous-fils attaque un champion ennemi, le sous-fils gagne un point d'attaque. Lorsque vous gagnez un contrôle de... Ah ben tabarnak! C'est quoi ces hosties de cartes-là, lui? Wow! En plus... Ah ben là, j'ai déjà pogné la volée puis j'ai même pas commencé. Ah, c'est même pour un tour, mais quand même. Heureusement, ça s'est arrivé. Ça. Hey, table de 3, c'est ça, j'avais pas vu ça. Ouch! Combien de tours? Charge paralysant. Hey, laisse-moi tranquille, toi. Ah, tabarnak, ça tue tout, mais... Il me tape, puis je suis mort. Petit jeu de colis. La débutante monteuse de putain. Une dernière fois, j'essaie, cette année. Je m'ai fait confisquer mon deck là, par la directrice, là, puis là... Lorsque tu déploies un autre sous-fit, c'est l'ordre de la carte. J'en ai pas de sous-fit. Thank you.
Ah, mais il frappe, mais il meurt pas, lui, tabarnak! Ah, si, il me frappe 5, 6. Hostie! J'aurais dû taper l'autre avant avec lui. J'ai oublié tout le temps son esti de field. C'est comme les Pokémon, genre, mais avec une histoire. Là. Ah ben, il me tape de 7. Je suis encore mort, tabarnak! Les cartes de ce deck-là sont pourries, esti. Ah, c'est marrant. Il y a encore sa carte qui est... Waouh. Débarrasse-toi de ça, c'est bois avant qu'il te tue. Une table de 3, ça n'a pas de sens. Je sais pas ce qui s'en vient, mais ça va faire mal, je le sens. Hey, encore, il y a le double de points de moins.
Je suis mort, il me tape juste deux fois avec chaque carte, je suis mort. Non, ce deck-là est pourri. Ouais, prends-les puis rentre-les dans le cul, tes cartes. L'une après l'autre. Les matchs sont tellement nuls quand on attaque avec des champions. Si tu veux me battre, tu vas devoir arriver sans m'attache. Qui est avec ton champion? Et puis même pas. Tu sais que je lis pas les cartes comme il faut. Ah, le champion attaque de zéro. Ah, ok, ça donne rien. Je me souviens de taper moins 3 pour rien. C'est-tu de con? Ah, il y a des duplicates. Ça finira plus, ça. Ah, ouais, je pogne des volées, ça n'a pas de sens. Ouais, fini la game, on sauve du temps. Bon, je vais moi se finir. Va-t'en claquer entre les deux jambes, master. Todd, quoi de neuf? Je défie un match. Il n'y a pas de prof ici, alors allons-y. Encore? Je vais encore pogner une volée. T'as toute nouvelle, c'est ça? Oui, je suis déjà la meilleure que le jeu de l'école. Ben oui, c'est ça. Avec ton deck de marde. Défenseur, ok, encore un défenseur, il y a 5. Ça va un peu mieux, mais ça peut... Oh, j'ai plus de défense. Fatal, faut pas le toucher. Je vais pas encore toucher une fois, si je perds, j'en viens pas. Ah putain. Hey, cette carte-là est gossante, là.
What? Une défense en plus. Je peux rien faire. Laisse-moi une volée. Il me tape de... Logiquement, il me tape juste puis je meurs. Un. Et deux. Incroyable. Hey, j'ai vraiment un deck de marde. Faites ça pour rien, je suis comme... Et je pense que je peux peut-être en gagner une, si tout va bien. À moins qu'il n'y ait pas une charge... À moins qu'il n'y ait pas une charge qui arrive. Ah ben, tabarnak. Il m'a fucké ben raide.
J'espère qu'il peut pas attaquer direct. Un autre défenseur. Bon, là, stratégie. Lui, il tape de 5, il est supposé mourir. Bon. Enfin, une victoire, Corlys. Corey m'a dit que c'est pour ça que tu as fait ça. J'ai fait sérieusement, c'est à propos du maudit stylo encore. Stylo? Corey a ce stylo dans ma boîte de méga mutant. C'est assez cool, stylo, en réalité. Il lançait de petites darts et tout. Un jour, Corey l'a perdu et il a dit que je l'avais volé. Je ne l'ai pas volé, il m'a crié après pendant des jours, alors je lui ai dit que je souhaitais l'avoir volé. Depuis ce temps, il me cause des problèmes. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il m'a dit que si te battais, il disait c'est pour que ce que tu as fait, j'aurais des collations. C'est un marché assez délicieux. J'aurais fait la même chose, si c'était toi. Alors, si Corey demande, tu diras que je t'ai battu. Certain. Tant que tu me promets quelque chose. Quelque chose? Promets de lui prendre tout ce qu'il a. Je ferai de mon mieux. Désolé, je ne peux pas parler, je répète. Sans fil, c'est plus dangereux. Nous y sommes, le temps de jouer. Cascade de baseball, céréales, je vous le dis, est totalement source. Surcommercialisé. Oh, mes plantes poussent bien cette année. Ça va être beau à Dusdale en fleurs. C'est magnifique, monsieur Kingston. Merci, elles poussent bien, n'est-ce pas? Maintenant, où sont mes cisailles? Ça, c'est une bonne question. Lorsque tu constitues ton jeu, c'est tentant d'ajouter une tonne de nouveaux fils brutaux qui ont besoin de beaucoup de bouffe pour être utilisés. Si tu fais ça, tu pourras trouver que tu ne peux pas jouer aucun fil durant les premiers tours. Affreux. Vraiment pas cool. Comme toutes les choses dans la vie, tu dois être un équilibre. Bon, mauvais juste beurre et sirop d'érable. Tellement intelligent. De toute façon, mon point est, ne surestime pas ces petits sous-filtres faciles à jouer. Ils gardent ton jeu flexible, ils peuvent être casse-pieds pour ton adversaire. Équilibrer mon jeu, garder mon adversaire occupé avec des sous-fils, pas cher, facile. D'accord, on sait que ça sera juste un jeu. Toujours là, Miss Jess? Voyons ce jeu équilibré. Bon. Reste toujours plus vite. Ça fait mal, plus. Hein. Encore?
J'ai mal gardé. Bon, on va voir. Ah, j'aurais dû prendre. Oh, tabarnak! Ah, oh, c'est-tu qui est chiant? Il me bat. Oh! Il est pas mort.
Ah, je suis fini encore. Je vais essayer une autre fois, là, mais j'ai pas les cartes pour. Ah, si c'est impossible. Si j'ai mal lu la carte. Je suis mort encore. Hey, je l'avais, tabarnak. Salut. Il y a 23 d'énergie, c'ti. J'ai réussi à pas le battre. Seul t'es mort. Quelle idée.
Laisse brancher, il est faible. Le pauvre. Le pauvre sel. Putain, frappe 5. Tabarnak. Oh wow. Plus rien. Je suis pogné une volée encore. T'es maudit sous filtre, là, sans... je peux rien faire. Tabarnak de calice. Il y en a deux. Ouch. J'ai perdu deux cartes pour rien dessus.
Bon, et qu'est-ce qui va m'attaquer? Je l'ai battu, tabarnak. Enfin. Bien joué, tu es une solide combattante. Assure-toi juste d'utiliser tes pouvoirs pour le bien. Toujours. À la prochaine fois, Jess. Choisis une récompense. La ruche, Spill. Luenta. And you don't want that, cause it looks like a big old stinking pile of, well, I guess you know her, yeah. Je savais que tu allais finir le jeu, alors pourquoi tu n'as rien fait? J'ai fait quelque chose. Mes parents m'ont acheté beaucoup de cartes supplémentaires avant d'en entendre parler. Tu l'as écrasé, il a pleuré. J'ai gagné, si c'est ce que tu veux dire. Et je lui ai dit que tu m'as dit de lui dire. Bon boulot, l'ami. Tu sais, si tu continues d'être une aussi bonne amie chaque jour, alors il pourrait y avoir plus de collations pour toi. Ah, merci. Obtiens plus de collations de Cory demain. Merci, mon petit gros préféré. Chercher plus d'indices sur le canular. Découvre la théorie des blagues de Cédric et Everett. Tu as fait bannir le jeu, je devrais transformer en loup et manger. C'est gentil ça. Je vais faire attention à mes arrières si j'étais toi, ruineuse de jeu. Oh ça alors, c'est le bébé idiot, tu aurais dû t'en aller quand tu avais la chance. Bébé idiot, 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 bébé idiot. Tu es Alex? Ça dépend qui pose la question. Moi je pose des questions, je suis Jess. Je sais qui tu es. Dans ce cas, pourquoi as-tu, peu importe. As-tu du caramel à la carte en boyant de Nathan? Ah oui, elle est trop faible, c'est plutôt le trophée de ma victoire, tu veux l'avoir? Obtiens le caramel d'Alex. Si j'étais toi, je redonnerais cette carte le plus tôt possible. Tu es un chien, Alex? Peut-être, pourquoi? Cette carte porte le nom du chiot de Nathan. C'est sa possession la plus précieuse. Vraiment, je ne savais pas. J'ai un chiot aussi, son nom est Princesse et une emmerdeuse, mais je l'aime. Tiens, donne ça à Nathan. Échanger les caramels à Nathan pour sa revue. On ne pleure pas, ça va aller. Maintenant, dis-moi ce qui est arrivé. Une bande de grands imprimés trucs. Sérieusement, crétin, il y avait des souvenirs de mon voyage en Hippieland. Ces grosses brutes m'ont dit qu'ils ne me les redonneraient jamais. Je vais récupérer tes trucs si je peux. Vraiment, tu devrais tout faire ça pour moi, comment t'appelles-tu? Eh bien, tous les enfants de l'école m'appellent Patou, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aime tellement les croustilles. Certains y...
Toi, aimes-tu les croustilles? Avais-tu vraiment besoin d'attraper Bruce? Un bon coup de poing dans la gueule, ça fait toujours du bien. L'autre, il est où, lui? Juste si je peux commencer mes gars, pense que tu vas me battre. On va essayer. C'est juste ça? Je peux parler toute la journée ou jouer à Power Pet, non? Ouais. Il est déjà méga? Ben là, je vais me faire détruire. Je peux même pas mettre une crise de carte, moi. À chaque tour, il gagne quelque chose. Pas de corolliste de bas, ça. Il détruit tous mes cartes. Frappe-moi, ouais, frappe. Non, tu peux pas gagner ça. C'est quoi le ray? C'est un défi, il vient méga dès le début. Tu peux pas. Il y a juste des cartes défenseurs. Jouer comme je peux, commence méga fort. Il commence méga, c'est ça? Ah ben c'est ça, tu peux pas. C'est impossible. Pas avec ce deck-là. Même pas de cas.
Non, c'est pas... Oh, j'ai pas le choix. Ok, tuez-moi, là. On va tenter la queue entre les deux jambes. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu. Cartpocalypse, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!